Moin. Aujourd'hui, je vais vous présenter les langues au Luxembourg. Le français et l'allemand sont historiquement les langues officielles au Luxembourg. S'y est ajoutée en 1984 la langue locale, qui est le luxembourgeois, devenue la langue nationale du pays, langue encore peu écrite, qui cherche à se normaliser et que le Luxembourg n'a pas cherché à imposer au niveau européen. Ce particularisme est dû à la petite taille et à l'histoire du Grand-Duché situé au croisement des aires francophones et germanophones, les nombreux échanges entre le Luxembourg et ses voisins, l'émigration vers ces pays pour trouver du travail au XVIIIe siècle, et puis après dans les années 1970. Le phénomène inverse a fait que les deux puissances langues voisines sont devenues couramment parlées dans le pays. Mais à l'inverse de ces dérivés en France et en Belgique, la pratique du luxembourgeois s'est maintenue dans la population, en partie comme ciment de l'identité nationale. Au contraire de pays multilingues comme la Suisse, le Canada ou la Belgique, où la distribution des langues est géographique, au Luxembourg elle est fonctionnelle, ce qui signifie que l'usage d'une langue dépend de la situation. Les compétences linguistiques auto-attribuées des Luxembourgeois ont permis de mettre en évidence 5 groupes linguistiques. Groupe 1. Trilinguisme luxembourgeois à 54%. Le luxembourgeois n'éprouvant aucune difficulté à comprendre, écrire, lire et parler les 3 langues officielles du pays. Le groupe 2. Le trilinguisme luxembourgeois avec quelques difficultés en français, 15%. Aucune difficulté en allemand, presque aucune en luxembourgeois, à l'exception du luxembourgeois écrit, mais éprouvant quelques difficultés en français. Groupe 3, monolinguisme français avec des compétences en luxembourgeois et en allemand, 14%, n'éprouve aucune difficulté avec les compétences linguistiques en français. En revanche, on constate beaucoup de difficultés en luxembourgeois écrit, mais aussi des compétences en allemand et en luxembourgeois qui se répartissent entre beaucoup et quelques difficultés. Groupe 4, monolinguisme exclusivement français, 9%. N'éprouve aucune difficulté à comprendre, lire, écrire et parler le français et ne s'attribue des compétences que dans les seules activités langagières françaises. Elles estiment ne pas avoir du tout de compétences en allemand et particulièrement pas de compétences en luxembourgeois. Groupe 5, absence du trilinguisme luxembourgeois à 8%. Les compétences linguistiques typiques luxembourgeoises ne sont guère maîtrisées. Les personnes disent n'avoir aucune notion en allemand ni en luxembourgeois éprouvent des difficultés, voire beaucoup de difficultés, dans les activités langagières françaises.